Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. La broyeuse. Vous savez ce que je préfère chez Dave? C'est qu'il est mort. Deadly Boom. Ce que je préfère chez Dave, c'est qu'il est mort. Hop les. Les sbires de Henry. Ou ouais, atterri Dave. Hop là. Henry. Hop là, ça fait mal, hein. Henri ? Henri ! Allez ! Tu viens ! Il a récupéré son shield. Oh, j'ai plus que 20 balles. Vous... Oh, slagué. Ouh, t'as grossi. Ouais, ça marche pas. Besoin de munitions. J'avais oublié ses tailles. Henri. Bah, Henri, t'as brûlé. Désolé, Henri. Ok, c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, du coup, veut venger son... sa maman ou pas? Yes! Ça fait du bien par où ça passe. Henri pas content, Henri le gire. Henri le meurt, hein, Henri le cadavre. Complexe de dips, complexe. Complip de dex. What the fuck? Voilà. J'avais dit que c'était un super bouclier qui servirait à ce personnage. Faut juste que je trouve maintenant un meilleur mode de. Un meilleur mode de comment de classe. Oh. Bon bah occupez-vous de oui, ça me va bien. Continuez comme ça. Ça ne me dérange pas. Ouh. Des munitions de pistolet à foison. Voilà que je rentre à Sanctuary assez rapidement aussi. Amélioration des différents stocks de munitions. Je vais mourir. Roland m'a contrainte à venir m'installer à Sanctuary pour ma propre sécurité. Mais les ahuris qui vivent dans cette ville me rendent folle. Aujourd'hui, une jeune femme m'a saluée. Je suis restée pétée pendant que mon cerveau cherchait le moyen d'éviter cette interaction indésirable. Alors que la nausée colorait déjà mon visage d'une teinte rougeâtre, un vaisseau capillaire a éclaté dans mon nez et un jet écarlate a jailli de mes narines. Nous aspergeons toutes les deux. Elle est aussitôt partie en hurlant. Mais même si cette fontaine sanguine a mis un terme à cette horrible épreuve, je crains que ce ne soit pas une stratégie viable sur le long terme pour éviter la conversation des gens d'ici. Les mêmes questions se sont imposées à moi aujourd'hui alors que je clouais sur ma porte un skag désarticulé afin de dissuader ses semblables d'approcher. Pourquoi Jack tient-il tant à la clé de l'arche? La clé se chargeait-elle simplement tout le temps que je l'ai eue en ma possession avant qu'il ne l'arrache de mes mains ensanglantées? Attendait-elle de libérer ses pouvoirs extraterrestres sur Pandore et de faire émerger du sol de l'Iridium? Se préparait-elle à débloquer d'autres ruines extraterrestres? Je compte analyser ces hypothèses en profondeur dès que j'aurai insonorisé les murs de ma maison afin de ne plus avoir à supporter la bruyante jovialité des citoyens de Sanctuary.
La banque du sang, d'accord. J'ai découvert une légende. Deux secondes. À propos d'un antique guerrier extraterrestre. Une clé magique pourrait le ramener à la vie. Si mes hypothèses s'avèrent exactes, et elles sont toujours exactes, la légende se réfère à la clé de l'arche. En outre, un jeune homme m'a dit que j'étais belle alors que je rentrais de l'épicerie tout à l'heure. Ma réaction a été singulièrement mesurée. Je n'ai passé que 3 heures à vomir dans une bassine. Adieu. Ouais, c'est ça. Un gros bouclier, toi. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. C'est mort ? Ouais, c'est mort. C'est bon. Ok, ça y est, j'ai pigé pourquoi et comment. Ça va être tendu d'ici. Bon, c'est bien, c'est que ça va rendre le truc encore plus stylé à regarder, mais ça va être tendu. Ça va être tellement tendu. Ouais, c'est ça, faut que j'arrive à les péter tous par derrière. Et surtout, à profiter de tous les bonus possibles et imaginables que me propose le personnage. Ce qui est en fait simplement de la construction de personnage. C'est du building. Hein. Oh ! Merci. J'avais peur de devoir passer 3 plombs bas. Hier, j'ai eu une conversation avec un autre être humain. Pour peu que l'on puisse assimiler mes grognements de terreur sociale à un langage humain. Mais Roland n'a pas eu l'air de s'en trouver incommodé. Il m'a demandé pourquoi Jack n'avait toujours pas réveillé le guerrier, puisqu'il a la clé. Je lui ai rétorqué que la clé devait être chargée en iridium, d'où les opérations d'extraction intensive menées par Jack. Il a acquiescé et essuyé en silence mes postillons de son visage. Je suis rentrée chez moi, déconcertée non seulement par son absence de dégoût devant mon comportement, mais surtout par mon absence de dégoût à son égard. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais vivre à Sanctuary. Pour la première fois, je m'y suis sentie bien. Rien de surprenant. C'est bien, vieille fessée. Tu la flaires, hein? C'est l'effluve d'un gentleman. Suppression de portillon. Comment ça, y a un boss qui me regarde? Attention aux tentacules de fessée! Vous pouvez les couper en deux, mais ils finissent par se régénérer! C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. Oh. Ah. Les yeux! Visez les yeux! Non, grosse créature, tu as su te battre. Oui, ainsi meurt la bête qui a fait de moi un homme tronc. Je me sens un peu déçu, à vrai dire. Peut-être que la vengeance n'est plus aussi enivrante qu'autrefois. Mais ce n'est pas votre faute. Retrouvez mon bras et vaquez à vos occupations. Allez! C'est bon, on a le bras. J'ai eu peur de pas le retrouver. Bon bah ça s'est plutôt bien passé. C'est surtout qu'à mon âge en fait, c'est pas que j'ai pas d'amis qui veulent y jouer, c'est que surtout qu'ils ont autre chose à foutre qui jouer. C'est ça qui est triste. Ah, pourquoi je le jette? Non! Non! Laissez-moi rentrer. Merci. Vous avez écouté mes notes, je suppose.
Suite à la découverte de l'Arche, il y a 5 longues années, j'ai fait une grande compilation, puis je l'ai planquée. J'ai été gourde et parano au point de ne pas noter son emplacement. Retrouvez ces informations et vous serez généreusement... Oh, vous pensiez que j'allais dire généreusement récompensé? Comprendra sûrement demain. Pardon, tu veux ton bras? Scientifiquement, assassiner vieille fessée était sans doute malhabile. Vengeantifiquement, vous ai-je déjà exposé mon hypothèse selon laquelle l'homme est le vrai monstre? Inutile, non? Allez! 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 Un petit coup de bol quand même.